tel que tu désires habiller ton corps de manière excellente, omdat je zin hebt om je lichaam in op een perfecte manier te kleden, désire aussi l'habit du Seigneur. Zorg ervoor dat je ook het kleed van God wilt. Parce que le Seigneur reproche à ceux qui sont bien habillés, want de Heer zegt tegen zij die goed gekleed zijn, et qui ne veulent pas réellement suivre sa parole, en die zijn woord niet willen volgen, pour dire qu'ils sont nus, om te zeggen dat ze naakt zijn, malgré les Versace qu'ils portent, terwijl ze Versace dragen, malgré les Louis Vuitton qu'ils portent, ook al dragen ze Louis Vuitton, des habits chers inutilement, dat zijn nutteloze kleren die duur zijn. Parce que cela va t'amener petit à petit en enfer. Want die kleren ga je brengen naar de hel. Et quand tu mourras, en wanneer je sterft, nous allons te chanter ce cantique. Dan gaan we je dat liedje Njoto, zingen. Lichaam. Tu m'as réellement déçu. Je hebt me teleurgesteld. Je t'ai fait porter les Versace. Ik heb je Versace gedragen. Je t'ai fait porter les Croco. Ik heb je Croco laten dragen. Je t'ai fait porter les Mazanto. Ik heb je heel veel mooie kleren laten dragen. Mais c'est pas na. Maar terwijl. Tu es parti. Je bent gegaan. Et tu as laissé les Mazanto pour quelqu'un d'autre. Je hebt al die mooie kleren voor iemand anders gelaten. Allah, j'aime les Africains. Daar hou ik van Afrikaan op. Parce que les Africains, quand tu meurs comme ça. Want als Afrikaan is, dan sterf. Toi qui es un grand sapeur. Jij die iemand. Au lieu de te pleurer. In plaats van te huilen. Ils sont en train de pouvoir réellement regarder ta garde-robe. Zijn ze naar je kleerkast aan het kijken. Ils ont déjà pris la clé de ta chambre. Ze hebben al de sleutel van je kamer genomen. Confisqué de la main de ton épouse. Ze hebben het afgenomen van de parce qu'ils savent que les habits que tu portais leur appartiennent. Want zij weten dat de kleren die je droeg van hen was. Et là, le frère de ton mari. En daar gaat de broer van je man. Dès qu'on enterre ton mari. Vanaf dat je de man is. Il vient prendre tous les habits chers. Komt hij alle dure kleren halen. Et amener chez. En die gaat hij naar huis meenemen. Et tu n'as pas droit de pouvoir parler. En je hebt het recht niet om te spreken. Mais quelque part, c'est normal. Maar ja, het is een beetje normaal op een manier. Vous savez que le bien de la famille. Want je weet dat de goederen van het appartient à l'homme. Dat die aan de man van de man is. Est-ce que vous comprenez? Le bien de la famille appartient à l'homme. Ja, de goederen van de familie is van de man. Voilà pourquoi la Bible dit. Vandaar dat de Bijbel zegt. Quand tu achètes un champ. Als je een werf koopt. Tu vas acheter le produit de ces champs. Dan ga je ook de producten van het werf kopen. Or, nous sommes un champ. Wij zijn een werf. Bon, j'ai vu les sœurs refuser, je compris. Ik heb de zusters gezien die het niet accepteren. Que ils ont des difficultés de comprendre ce que David avait dit. Ze hebben problemen te begrijpen wat David heeft gezegd. David a compris que David heeft begrepen. Les biens de la femme. De goederen van de vrouw. Appartiennent à l'homme. Van de man. Voilà pourquoi il dira. Vandaar dat hij gaat zeggen. Seigneur. De Heer. Je vais te servir. Ik ga je dienen. Toute mon âme. Met mijn hele ziel. Toute ma force. Met mijn kracht. Avec tous mes biens. Met al mijn goederen. Parce que les biens que j'ai. Want alles wat ik heb. T'appartient. Is van jou. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Vandaar. Quand la femme travaille, wanneer de vrouw werkt, quand tu prends ton salaire, als je je salaris neemt, ne commence pas à aller déjà dans un magasin. Begin niet direct naar de winkel te stappen. No. Nee. Faut aller chez le propriétaire de l'argent. Naar de eigenaar van het geld. Et tu lui donnes. En je geeft het hem. Après cela. En daarna. Tu introduis ta demande. Dan ga je aanvraag indienen. Non, j'ai vu. Ja, ik heb iets gezien dat. Un magasin là. Een winkel daar. Des habits. Qui pourront réellement me convenir. Die mij wel volstaan. Si l'exos. Als hij dit aanhoort. Tu glorifies le Seigneur. Dan ga je Heer. Si l'exos ou pas. Als hij dit niet aanhoort. Car nous glorifions le Seigneur en tout temps. Dan ga je nog steeds de Heer zegenen. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis. Ça va vous épargner des problèmes dans le mariage. Dit gaat je heel veel. Vous attendez toujours le séminaire du mariage. Dat was het seminarie van het huwelijk.
Là, vous vous dites dans les séminaires du mariage. Oh, mais ce que je vous dis, c'est ce qui est important dans les séminaires du mariage. Parce que le mystère est grand entre Christ et l'Église. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre. Entre Christ et l'Église, tout ce que l'Église produit appartient à l'homme. Et c'est pour ça qu'on donnait la dîme. En vandaar dat we de intiende gaven. On donnait la dîme parce qu'on témoignait que tout ce que j'ai appartient à Dieu. We gaven de intiende om te zeggen dat we alles wat ik heb aan God, van God is. Parce qu'il faut présenter réellement tous tes biens à Dieu, à celui à qui appartient ses biens. Want je moet je bezit aan God presenteren, want hij bezit alles. Maintenant, la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Vrouwen, wees onderdanig aan uw man. Non comme ton mari Joseph. Niet zoals je man Joseph. Mais comme si tu te soumettais à Christ. Maar zoals je aan Christus onderdanig bent. Mais tu dis que tout ce que tu as appartient à Christ. Maar je zegt dat alles aan Christus. Mais tu refuses de dire que tout ce que tu as appartient à ton mari. Maar je weigert om te zeggen dat alles wat je hebt van je man is. Oui. C'est que votre témoignage est faux. On dit dat je een valse getuige bent. Si tout ce que tu as appartient à Christ, c'est que tout ce que tu as va appartenir à ton mari. Parce que tu vas voir au travers ton mari Christ. Donc il n'y aura pas de problème de prendre tout ton salaire et d'amener devant celui que tu considères comme étant le Christ. Et ainsi le mari. En zo gaat de man. Zo gaat de man. C'est la vie. Ainsi le mari. En zo gaat de man. T'aimera. Ja, je van je houden. Vous savez que les femmes aiment bien l'amour. Je weet dat de vrouwen er veel van liefde. Un mari comme ça va commencer à t'aimer à tout moment. Les je t'aime que les autres ne reçoivent après 6 mois. Toi, tu vas commencer à les recevoir matin soir. Parce que l'homme va comprendre que cette femme, n'est-ce pas, tout son cœur m'a été donné. Amen. Amen. Voilà la difficulté de marier. Dat is de moeilijkheid van het huwelijk. Quand tu vois ton mari comme étant fiston. Als je, que je donne tout mon salaire à fiston. Dan ga je moeilijkheid normaal. Om alles te geven aan je man. C'est normal que tu ne vas pas lui donner ton salaire. Dan is het normaal dat je je salaris niet aan hem gaat geven. Mais si tu ne vois pas fiston. Als je, si tu vois Christ, als je Christus ziet in hem, ça ne sera pas un problème. Dan gaat het makkelijk zijn. Or, nous savons une chose. We weten één ding. La Bible dit, de Bijbel zegt, fais de l'éternel tes délices, ta joie. Maak van, maak van de Heer je, je blijdschap. Il accomplira tout ce que tu désires. Dan gaat hij alles geven wat je wilt. Si tu fais la joie de ton mari. Als je blijdschap doet van je un bon mari, een goede man, doit exaucer sa femme en toute chose. Moet zijn vrouw aanhoren in alles. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il fait ta joie. Want hij maakt, ça maakt je blijdschap. Vous savez cela, le problème c'est quoi? Le problème is, quand le Seigneur fait notre joie, wanneer de Heer onze blijdschap is, c'est-à-dire nos pensées sont tournées vers le Seigneur. Zeggen dat onze gedachten naar nous de pensons à tout moment que faire pour que le Seigneur soit content. Wat, wat moeten we doen zodat de Heer blij is? C'est-à-dire nos désirs seront tournés vers le Seigneur. Alles wat we willen, ainsi, lorsque nous demandons au Seigneur, dus wanneer we aan de Heer vragen, quand il nous donne, als hij ons geeft, il va bénéficier de ce qu'il nous donne. Dan gaat hij ook voordeel hebben aan, aan alles wat hij ons geeft. Donc voilà pourquoi un homme
Il sait que la femme fait tout pour lui. Il weet dat de vrouw alles voor hem doet. Mais les prières là que la femme est en train d'adresser, c'est pour son bien. Ja, dat ze doet, is pourquoi il va refuser ça? Waarom gaat hij dat niet willen? Est-ce que vous comprenez? Si vous faites cette erreur, je vous dis que le mariage c'est quelque chose de bien. À condition de comprendre ce que je vous dis maintenant. Parce que si vous ne comprenez pas ça, als je dit niet begrijpt, vous aurez des tribulations. Dan ga je moeilijkheden hebben. Vous allez faire le stoïcisme. Ça, je sais que tu ne sais pas. C'est-à-dire les gens qui souffrent. Mais qui font semblant de ne pas souffrir. Tu souffres à la maison. Mais là, tu t'habilles bien. Et tu fais semblant aussi d'amener ta femme au restaurant. Pour que les gens voient que ça marche. Ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Vous faites cela pour les autres. Dan doe je dit voor de anderen. On ne se marie pas pour les autres. We trouwen niet voor andere mensen. On se marie pour soi-même. We trouwen voor zichzelf. Vous comprenez? Donc dans le foyer, dus in het, ja, in het huishoud, il faut qu'il y ait l'harmonie. Dan moet er harmonie zijn. Et l'homme est le chef du foyer. De man is de baas van het huis. Il n'y a pas contestation. Er is geen tegenspraak. Dans les choses de Dieu, c'est l'homme qui est chef. In de dingen van God is de man de baas. Le monde fait semblant. De wereld doet alsof. Mais ils savent que dans un couple, c'est l'homme qui domine. Maar ze weten dat in een koppel dat de man domineert. Voilà pourquoi ils ont mis trop de règles pour que l'homme ne puisse pas dominer. Omdat dat ze heel veel regels hebben. Pour protéger celui qui est celle qui domine. Zodat de vrouw niet gedomineerd kunnen worden. Est-ce que vous comprenez? Et là, j'appelle notre feu président Mobutu. Voilà. Parce que moi, pour l'exhortation, j'appelle tout le monde. Voilà. Parce que peut-être que la parole de Dieu, tu ne vas pas bien saisir. Dis, qui est un chef? Wie is de baas? Et il dit ceci. En hij zegt dit. Il n'y a jamais eu de mauvaise troupe. Voilà. Er zijn nog nooit slechte troepen geweest. Il n'y a que de mauvais chefs. Er zijn alleen slechte bazen. Si ça ne va pas dans ton couple, als het niet werkt tussen in het koppel, le responsable c'est toi. De chef. Is de chef, de man is. Ne commence pas à dire d'abord c'est la faute. Non, c'est ta faute. Begin niet met tu ne sais pas diriger ta faute. Aan andere mensen te tu es un mauvais dirigeant. Dat zegt dat je een slechte dirigent bent. Ta femme mérite mieux. Je vrouw verdient meer. N'est-ce pas? Mais que la femme sache que c'est l'homme qui est le chef. Maar de vrouw moet wel weten dat en de man de cas de discussion. Alors, wanneer de discussie is, le dernier mot revient à l'homme. Le man moet het laatste woord hebben. Amen. Amen. C'est ça. Vous avez le droit de discuter, de parlementer. Je hebt het recht om te discussiëren. Deux jours, trois jours. Twee dagen, drie dagen. Mais la dernière décision. Maar de laatste beslissing. Doit revenir à l'homme. Die moet bij de man liggen. Amen. Maar je trouve ça difficile. Ah, hij vindt het moeilijk. Mais dans ton travail. Maar op je werk. Quand tu es en contestation avec le chef. Als je in tegenspraak bent. Qui a le dernier? Wie heeft het laatste woord? Et tu ne parles pas là. Dan daar praat je. À cause de l'argent. Maar la maison, là tu goûtes. Maar thuis ben je niet. Je suis pas esclave ici. Nee, ik ben geen slaaf hier. Mais pourquoi tu ne le dis pas au travail? Waarom zeg je dit dan niet op werk? Est-ce que vous allez comprendre que dans le cadre du travail, dus d'une société, in het kader van de werk of een ces choses font que la société puisse aller de l'avant. Deze dingen zorgen ervoor dat dingen vooruit kunnen gaan. Ja, het bedrijf vooruit kan gaan. Est-ce que vous comprenez? Lisons les écritures. Laten we een vers lezen. Levitique chapitre 6. Leviticus 4.
Nous lisons à partir du verset 1. Vanaf de eerste vers. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Lévitique 6. De Heer zei tegen Mozes: Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit: Als iemand tegen mij zondigt door te weigeren iets dat hij heeft geleend of gehuurd, voici la loi de l'Holocauste. C'est Lévitique 6. Oui, oui, verset 1. Verset 1 ou verset 8? 1. Je commence par le verset 1. Maintenant, je suis au verset 2. Lévitique 6. Verset 8. Je commence au verset 1. Verset 1. Donc, je recommence. L'Éternel parla à Moïse et dit: Dit zijn de voorschriften betreffende het allerergste schuldoffer. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit. Laisse 9. C'est règle de l'Holocauste. Recommencez à 8. Lévitique 6, lorsque l'Éternel. Par là, Moïse dit, lorsque quelqu'un péchera, oui, c'est là que tu as commencé, parce que toi, tu as... Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel. Moi, si ça commence là-bas, ça, c'est un des... Mais oui, l'Éternel, par là, Moïse dit, donne ses ordres à Aaron. Ça, c'est neuf. Bon. Bon, ça, c'est la version que vous avez. Mais moi, je suis en train de lire ici, sous mes yeux, le titre au-dessus, parce qu'ils sont séparés, ils lisent ici règles sur les holocaustes. Ok? Voilà, bon, tu commences par là. Donc, l'Éternel parla et dit à Moïse. Parla à Moïse et dit. D'ailleurs, certes, à Moïse. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit. Geef deze ordres aan Aaron en zijn zonen en zeg. Voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Zie hier de voorschriften van het offer. De offer zal op het altaar branden en de olie zal ervan druipen. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et la déposera près de l'autel. Verset qui suit. De volgende morgen zal de priester zijn linnen onderkleding en bovenkleding aantrekken en hij zal de as van de brandoffer weghalen en naast het altaar neerleggen. Puis il quittera ses vêtements, en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Daarna zal hij zijn kleren verwisselen en de as naar een reine plaats buiten het kamp brengen. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point chaque matin. Le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Intussen moet het vuur op het altaar blijven branden, het mag niet uitgaan. De priester moet elke morgen nieuw hout op het vuur leggen en het dagelijks brandoffer en het vet van het dagelijks vredeoffer erop verbranden. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Het vuur op het altaar moet altijd brandende worden gehouden, het mag niet uitgaan. Voici la loi de l'offrande. Dit zijn de voorschriften betreffende het spijsoffer. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Aarons zonen zullen het voor de ogen van de Heer voor het altaar brengen. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine. Een van hen zal een handvol nemen van fijn meel. De l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande. Olie en alle wierook en het
verbranden op het altaar. Il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. En zal het verbranden als, op het altaar als een gedenkoffer voor de Heer. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Aaron en zijn zonen zullen, zullen de rest als voedsel zullen toegediend worden. Ils le mangeront sans levain dans un lieu saint dans le parvis de la tente d'assignation. Het moet ongezuurd worden gegeten in de, de voren van de tabernakel. On le cuira pas avec du levain, c'est de la part. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. Ik heb de priesters dit deel van het spijsoffer dat mij toe wordt gegeven. Het is het allerheiligst, net als het zonderoffer en het schotoffer. C'est une chose très sainte comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Het is het allerheiligst, net als het zonderoffer en het schotoffer. Tout mal d'entre les enfants d'Aaron en mangera. Ieder mannelijk afstammeling van Aaron. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. Mag dit eten, ieder die ermee in aanraking komt, zal heilig worden. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Seigneur notre Dieu, donne-nous la capacité et l'intelligence de pouvoir comprendre les choses qui concernent réellement la vie éternelle et le salut de notre âme. Et nous croyons, Seigneur, que lorsque tu parles, tu apportes la solution aux problèmes qui sont les nôtres. Parce que tu les connais, voilà pourquoi tu nous accordes ce dont nous avons besoin pour que notre joie soit parfaite. Et que l'Écriture qui dit « à chaque jour suffit sa peine » puisse réellement s'accomplir dans nos vies. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour cette vie et rajoute-nous chaque jour ce qui concerne la vie éternelle afin que nous puissions tourner nos yeux vers toi et marcher réellement dans la joie de pouvoir te célébrer sur cette terre. Nous te prions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Lévitique. Dus we zijn in het boek van Leviticus. Bon. Maintenant, chacun va choisir ses versets. N'est-ce pas? Vous savez, une fois, on a eu un débat comme ça. Er was een keer een debat. Dans ma version, op mijn versie van dans la version van que Bijbel, je lisais, de versie van de Bijbel die ik il n'était pas dit que was er niet gezegd, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Dat Johannes niet, geen 3 dagen en 3 nachten. Mais dans la version d'autre personne, mais de versie van de andere personne, il était dit qu'il a fait 3 jours et 3 nuits. Stond er wel dat hij 3 nachten en 3 dagen heeft gedaan. Et j'avais dit que non, il y en avait pas. En ik heb gezegd dat het niet gebeurde. Mais j'ai vu un frère réagir. Maar ik heb een broeder zien reageren. Je me suis dit, bon, si y en a, je vais me repentir. En ik heb gezegd, als het zo is, dan ga ik... Quand tu prêches, want als je predikt, si les frères, als de broeder réagissent, reageren, pour dire que non, en tout cas, ça peut être faux. Om te zeggen van dat kan. Ou d'autres prédicateurs. Of een andere priester. Ne t'entête pas. Wees niet koppig. Sois prudent. Wees voorzichtig. N'est-ce pas? Ah. Voilà pourquoi j'ai eu la prière. Auparavant, je l'avais déjà dit parce que j'ai regardé devant ma Bible. Je ne voyais pas. En ik zag het niet. Bon, j'ai dit, ok. En ik zei, okay. De toute façon, tu ouais. peux lire une écriture sans la lire. Je kunt de vers lezen zonder het gelezen te hebben. Et ne pas croire que cette écriture existe et pourtant tu lis ça tous les jours. En niet, niet geloven dat het bestaat, maar je leest het elke dag. J'ai dit, si on me montre, je vais me repentir. En ik heb gezegd, als ik het zie, dan zal ik mijn zonde verzoenen. Moi, je m'étais repenti pour ceux qui avaient la version où il y en avait. En ik heb verzoend voor de versie die er wel was. Parce que on ne va pas privilégier une version par rapport à une autre. We gaan geen voorrang bezetten voor een versie die wel is. Bon, je leur ai donné le devoir de chercher les textes originaux. En ik heb hen het huiswerk gegeven om de originele tekst op te zoeken. Parce que quand on a les textes originaux, want als je de originele tekst hebt, on croit avoir la vie. Denk men dat we het leven mais hebben. Ceux qui en avaient maar zij die het hadden, n'ont pas eu la vie. Hebben het leven niet gehad. Tu peux en avoir aussi.
Je kunt het ook hebben. Si tu n'as pas l'explication, maar als je de uitleg niet ça hebt, te servira à rien. Dan gaat het je voor niks dienen. Tu vas impressionner seulement les gens. Dan ga je een ander mens je le texte original. Want ik heb de originele je le lis en araméen. Ik lees het in het Hebreeuws. Je le lis en hébreu. Ik lees het in het Hebreeuws. Là tu dis que non, tu vois le mot. Dan ga je zeggen ja de woorden. Quand tu cites le mot en hébreu. Als je ze in het Hebreeuws uitspreekt. Mais les Hébreux ont refusé de croire à la parole du Seigneur. Les Hébreux n'ont pas accepté. Le word van God n'ont pas accepté. Ils écoutaient le Seigneur. Ze hoorden de Heer. Mais ils ne comprenaient rien. Maar ze begrepen niks. C'est un problème de langage. Dat is een probleem van taal. Tu peux utiliser les mêmes mots. Je kunt dezelfde woorden gebruiken. Mais c'est la pensée. Maar het is de gedachte. Si tu n'as pas la pensée de Dieu. Als je niet de gedachte van God hebt. Tu n'as pas la vie. Dan heb je het leven niet. Is comprenez? Amen. Parce que les scribes et les pharisiens want de fariseers maîtrisaient les écritures plus que nous. Ze hadden de versen onder de knie beter dan wij. Vous savez que les scribes, lorsqu'ils ils étaient en train de transcrire. Dus de schrijvers toen ze aan het doorschrijven waren. Les livres des prophètes. De boeken van de profeten. S'ils commencent. Wanneer ze beginnen. Il écrit. S'il fait une faute, als hij ook maar één fout maakt, pour le livre, voor het boek, il recommence tout le livre. Dan gaat hij het boek opnieuw beginnen. Si c'était toi, tu as, je vais recommencer les chapitres. Il recommence tout. Hij begint alles opnieuw. Malgré ça, maar terwijl, il manquait l'intelligence. Had hij geen intelligentie de comprendre ce qu'ils écrivaient. Om te begrijpen wat hij schreef. Est-ce compris? Donc, dus, nous voyons les règles sur l'Holocauste. Dus we zien de voorschriften van het offer. Nous avions déjà vu ça dans Lévitique chapitre 1. We hebben dit al gezien in Leviticus 1. Et vous allez comprendre que je gaat begrijpen dat c'est consumé. Dat het wordt geconsumeerd. Complètement par le feu. Dat het helemaal wordt geconsumeerd door het vuur. Et le feu en het vuur a été pris pour un jugement. Was, is een oordeel. Voilà pourquoi la Bible dit que nadat de Bijbel zegt le Seigneur de Heer transforme, n'est-ce pas, parfois ses jugements en feu. Transformeer het dan, ja, ten oordeel vaak in, als in vuur. Voilà. Esaïe 66, au verset 15, la Bible dit, car voici l'Éternel arrive dans un feu. Want hier komt de Heer als een vuur. Et ses chars sont comme un tourbillon. Ces chars, un tourbillon, c'est le vent qui tourne comme ça. Chars de combat, tu ne connais pas les chars de combat. Toi, tu es en train de tuer les malfaiteurs avec ton jeu, la PlayStation. Tu n'as pas de chars là-bas. Chars. Donc, chars de combat, c'est ça. Tu connais les chars de combat, non? Si, si, oui, c'est ça. Bon, répète char en français et tu complètes en anglais. Il convertit sa colère en un brasier. Donc, et ses menaces en flammes de feu. Car par le feu, car c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Dus door het vuur dat de Heer zijn oordeel brengt. Ouais, donc c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Door het vuur geeft hij zijn oordeel. Voilà pourquoi. Vandaar. Pour que Dieu puisse t'agréer. Doordat God je aanvaardt. Il te passe par le feu. Dat je door het vuur gaat. Ce qui va pas subsister. Alles wat niet blijft bestaan. Va disparaître. Gaat verdwijnen. Est-ce que vous comprenez pourquoi la chair ne peut pas hériter le royaume? Vandaar dat het lichaam niet rijk de, parce que la chair est brûlée par le feu. Want het lichaam wordt verbrand. Est-ce que vous comprenez?
Donc, nous comprenons que dus we begrijpen, le feu, ce sont ses jugements. Dat het vuur zijn oordeel is. Mais le Seigneur dit, maar de Heer zegt, parce que vous avez refusé de pouvoir écouter ma parole, omdat jullie geweigerd hebben om mijn woord te horen, mes paroles seront un jugement pour vous. Zullen mijn woorden een oordeel zijn voor jullie. Donc, ce sont les paroles du Seigneur. Dus het zijn de woorden van de Heer. Voilà pourquoi nous avons toujours dit. Vandaar dat we altijd hebben gezegd. La parole du Seigneur. Het woord van de Heer. Quand elle vient. Als ze komt. En tout cas, elle est ennemie de la chair. Ze is een vijand van het lichaam. Voilà pourquoi la prédication conformément au Seigneur. Dus wanneer iemand prédikt zoals de Heer. Ne va pas consister à faire plaisir à la chair. Dan gaat het niet goed doen aan het lichaam. Parce que la chair aimerait être dans de bonnes conditions. Want het lichaam moet in goede conditie zijn. Croyez au Seigneur Jésus. Laten we in de Heer geloven. Vous serez la tête et non la queue. Je zult het hoofd zijn, niet de staart. Vous serez des ministres dans ces pays. Je zult ministers zijn in dit land. On attend toujours un ministre congolais ou lingalophone. Allez au Pays-Bas. Nous on attend. Ministre in Nederland. Ça fait plaisir. Akula, akula. Dat doet veel plezier. Là où la plante de vos pieds. Affoulée. Op hebben gestapt. Ça vous est donné en possession. Dat is aan jullie aan. Posséder le Pays-Bas. Dus jullie bezitten Nederland. C'est bien. C'est goed. Ça fait plaisir à la chair. Doet plezier aan het lichaam. Mais cependant, maar terwijl, quand tu auras des problèmes, tu comprendras que le Pays-Bas ne t'appartient pas. Dan ga je problemen hebt, ga je zien dat Nederland niet van jou is. Surtout les Hollandais, je les aime. Want vooral Nederland. Ils te donnent la nationalité. Ze geven je de nationaliteit. Là, tu crois que non, c'est fini. Et je denk, ah, c'est quand tu fais trop de désordre, ils arrachent la nationalité. Tu es sa nationalité. Ils te laissent comme ça. Mais ze nemen zo direct ook je nationaliteit op. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on entend ces paroles. Als we dit woord horen. Je vais vous dire que ça va faire plaisir à la chair. Dan gaat het goed doen aan het lichaam. Or, la terre est sous la domination de l'ennemi. De wereld is gedomineerd door de vijand. Et notre ennemi, ce n'est pas les hommes qu'on voit comme ça. En onze vijand zijn niet de mensen die we zo zijn zien. Parce que les hommes qu'on voit qui sont réellement en train de faire du mal contre vous. Want de mensen die slechte dingen aandoen. Le Seigneur a dit de les aimer. De Heer zegt dat je van hen moet houden. On ne peut pas aimer un ennemi. Je kunt niet van een vijand houden. Donc, ces ennemis charnels physiques. Dus die fysieke vijanden. Le Seigneur les a transformés en amis. Heeft ze getransformeerd tot vriend. Aimez vos ennemis. Hou van je vijanden. Transformez-les en vos amis. Transformeer ze tot vrienden. Oh non, mais c'est un. Ah non, 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 moi je. Comprends que tu n'as pas la nature de Christ. Dat je dan niet un enfant de Dieu n'a pas d'ennemi. Voilà pourquoi les cantiques qui chantent pour que les ennemis physiques puissent être confondus, c'est charnel. Nadat de liederen die hij zingt om de fysieke vijand weg te jagen. Même si c'est notre frère qui a chanté ça. Zelfs als het onze broeder is. Il n'a pas encore une bonne connaissance sur ce point-là. Hij heeft nog geen goed geweten op dat punt. L'ennemi dont nous parlons. De vijand waarover wij spreken. C'est un esprit. Het is een esprit. C'est le diable. Het is een duivel. Les ennemis dont nous pouvons parler. De, ce sont les démons. De vijanden waarover we spreken zijn demonen. Nous n'avons pas lutté contre la chair. We hebben niet tegen het lichaam gehad. Est-ce que vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas lutter contre les hommes. Dus we kunnen niet tegen de mensen. Ja. Faut lutter contre l'esprit qui possède l'homme. Je moet tegenwerken tegen de geest die de. Il faut lui apporter la parole. Je moet hem het woord geven. Est-ce que vous comprenez? Donc le monde est dominé par le diable. De wereld wordt gedomineerd door de duivel.
Nous sommes étrangers. We zijn vreemdelingen. Nos plantes ont foulé le pied sur un territoire où le diable domine. Ja, onze voeten zijn op een plaats gekomen die gedomineerd is door de duivel. Or, quand le diable domine, wanneer als de duivel domineert, il permet à ce que la chair puisse s'exprimer. Laat hij toe dat het lichaam zich kan uitdrukken. Mais nous, lorsque nous venons, maar wanneer wij komen, parce que nous prenons possession, omdat wij bezit nemen van, en tant que fils du royaume, al zijn het kind van God, c'est que là où nous sommes, waar we zijn, au lieu que la nature du diable soit manifestée, dat de c'est la nature de Dieu qui sera manifestée. De persoonlijkheid van God worden gemanifesteerd. Parce que nous prenons possession de ça. Want wij nemen dan bezit daarvan. Mais ça, ça n'intéresse personne. Maar dat ja, interesseert niemand. Mais ce qui intéresse, maar wat mensen interesseert, que les païens puissent t'admirer. Dat ja, ongelovigen gaan. Mais, vous savez, un païen, maar een ongelovige, qui n'a pas encore l'envie de connaître Dieu, die nog niet God kan kennen, ne peut admirer que ce qui est charnel en toi. Kan alleen de dingen ja, die aards aan jou zijn aan de te dit, als een je te trouve zegt, ben, ik vind je mooi. Il ne voit pas la beauté de la parole. Dan ziet hij niet ja, de schoonheid van la beauté charnée. Hij ziet de fysieke schoonheid. Est-ce que vous comprenez? Je mets un frère là. Un frère. Er was een broeder. Bon, mon interprète ici n'aime pas être à côté de moi. Mais là, au Congo, l'interprète est à côté. Là. Il, quand il interprétait, oh, frère, quand j'étais en train d'interpréter, là, j'ai regardé les soeurs. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, elles étaient toutes laides. Oh, moi je lui ai dit, parce que mais quand moi je regarde les seins, je les trouve belles. Bon, chacun a ses yeux. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. N'est-ce pas? Couleur et smaak, ja, dat discute kun je niet over discussiëren. À un certain moment, maar op een gegeven moment, il a trouvé une fiancée. Had hij een verloofde gevonden? Quand on a regardé, ok. En toen hij keek, mais, voyez, il apprécie avec les yeux charnels. Hij keek alleen met zijn fysieke ogen. Bon, la fiancée qu'il avait apprécié. De verloofde die hij ja, wel. Il a apprécié de manière charnelle. Heeft hij op een fysieke manier. C'est normal. Dat is normaal. Que les autres hommes charnels puissent apprécier aussi. Dat de andere mensen die ook op die manier gaan. Il a eu le malheur que les diamantaires ont apprécié son fiancé. Toch geluk gehad dat mensen met de diamanten haar ook hadden aangeboden. Or, la femme. De vrouw. A deux manières de trouver l'homme beau. Heeft op twee manieren. Ja, kan op twee manieren een man vinden. La femme, parfois, quand elle regarde comme ça, soms als ze zo kijkt, ah, cet homme est beau. Als die man is mooi. Présence. Ok? Aspect. Ou encore, of, quand, hein, quand l'homme, wanneer man, hein, il est beau, hein, un homme qui, hein, qui a la main facile. Les hommes qui ont la main facile, qui ont beaucoup d'argent, sont beaux devant les femmes. Mannen met veel geld hebben, zijn vaak knap voor vrouwen. Apparemment, bon, ce n'est pas mon avis, paix à son âme. Il paraîtrait que il y avait un homme qui était riche au Congo là-bas, tout le monde disait qu'il était vilain. Mais il avait une belle femme. On s'est dit, est-ce que cette femme ne voit pas tout ce que tout le monde dit? Er was een man in Congo en iedereen zei dat hij een slechte man was, maar had een mooie vrouw. Et j'ai compris que pendant que nous on voyait qu'il n'était pas beau. En ik begreep dat terwijl hij zei, voyait que non, ah, l'homme est beau. Terwijl hij zei, est-ce que vous comprenez? Parce que chaque fois qu'elle avait besoin, on donnait, n'est-ce pas? Et les diamantaires avaient cet avantage sur lui.
La fiancée a choisi une double portion de beauté. De verloofde had een dubbele portie van schoonheid gekozen. Kom naar Brisa. Toen we dit hadden gehoord. Vriend. Broeder. Ah. C'est bien. Het is goed, hè. Mais tu vois les soeurs que tu voyais là. Maar die zusters die je zag. Moi, je les apprécie. Et je suis content aussi parce que je sais que les païens ne les aiment pas. Want ik weet dat ongelovigen niet van hen houden. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que les païens ne peuvent pas. Le Seigneur a dit, le monde m'a haï. De wereld heeft mij gehaat, zei de Heer. Et il vous haïra aussi. En ze zullen jou ook haïren. Mais si le monde t'aime. Maar als de wereld van je houdt. C'est que toi, dat zeggen dat jij, tu as un problème. Dat je een probleem hebt. N'est-ce pas? Donc vous allez comprendre. Dus je gaat begrijpen. Si le monde commence à dire, als de wereld begint te zeggen. Changer. Je bent veranderd. Comprends que. Begrijp. Dieu commence à me trouver plus agréable. Dat de Heer je. Parce que tu ne plais plus au monde. Est-ce que vous comprenez? De wereld haalt niet meer van je. Je te dis, si tu es belle, je parle de physique. Hein? Si tu es belle physiquement. Als je fysiek knap bent. Par rapport à la parole. Tegenover het woord. Les monnaies. De ongelovigen. Vont, c'est-à-dire, c'est comme quelque chose où, bon, ton limika kaza kitok. Mais son cœur ne sera pas attiré. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi même pour les frères. Dus voor zelfs voor broeders. Faut pas chercher, hein? Là, tu vas attirer toutes les jamousquettes là. Frère. Comprends que tu es pratiquement charné. Parce que ce que tu attires est charné. Dingen die aantrekt zijn dan. Ja, mais les mondes ont dit. Maar de mensen van de wereld. Ceux qui se rassemblent. Zijn die zich bij elkaar verenigen. Ceux qui s'assemblent, se ressemblent. Die zijn enkel op elkaar. Si toi, dès que vous arrivez quelque part. Als jij vanaf dat je ergens aankomt. Ce sont les jamousquettes qui viennent. En zijn de meisjes die aankomen. Frère, vraiment. Ah, en tout cas, tu chantes bien. C'est un thermomètre pour toi. De comprendre que la manière dont tu es et la manière dont tu chantes plaît au monde. Amen. Vous comprenez? Donc vous allez comprendre une chose. C'est pourquoi je vous dis, parfois être simple, sobre, simple zijn, ça t'évite beaucoup de problèmes. Dat je dan heel veel problemen vermijdt. Tu auras moins de tentations. Wat minder, on prie, ne nous soumet pas à la tentation. N'est-ce pas, c'est une prière que tu fais? Mais toi-même, tu te soumets à la tentation. Je veux que tu verleiden wordt. Vous savez, je veux vous dire des choses. Quand tu parles, wanneer je praat. Les femmes aiment ça. De vrouw vindt dat leuk. Tu viens comme ça. Je komt zo. En tout cas. Mais dès que le lendemain tu reviens. Maar vanaf dat je de volgende dag terugkomt. Comme même au ciel. Als et c'est ton. Oh! C'est l'homme que j'avais rencontré hier. Ou c'est un autre. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi cette attitude-là. De sobriété, de piété. Vandaar dat die attitude van soberheid. C'est pour les enfants de Dieu. Dat is voor de kinderen van God. Les jatans là. Hein? Faites attention avec ça.
J'attends, tu crois quoi? J'attends. Parce que c'est un mot j'attends là, qui n'est pas même dans le dictionnaire. Donc, tu répètes j'attends. Donc, ils vont comprendre que c'est j'attends. Voilà. C'est de Z, c'est tout. C'est en néerlandais, parce que oui, il y a des néerlandophones aussi qui sont des diatans. Mais vous allez comprendre que les Européens laissent les choses aux stars. Ah, oui. La majorité d'entre eux sont simples. Quand vous voyez les Européens, une femme bling bling, regardez dans le monde. Dans le monde de mode, c'est comme ça. Showbiz. Mais la plupart d'entre eux, mais donc le problème, c'est la faute à nos deux musiciens, Papa Oubé et Esther et Mener. Parce qu'ils ont vulgarisé ça chez tout le monde. Bells, they have a Papa Winga. Ben, c'est normal, ils ne le connaissent pas. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, vous allez comprendre que la faute est réellement où un Congolais préfère être affamé, mais bien sapé. Congolais zullen eerder verhongeren om goed gekleed te zijn. Donc, vous allez comprendre que les paroles de Dieu, het woord van God, vient anéantir la nature humaine, la chair. La persoonlijkheid komt verbranden van de mens. Voilà pourquoi nous avions dit que les sacrifices consumés par le feu. Dus vandaar dat het offer geconsumeerd door het vuur. Démontre que la chair. Laat zien dat het lichaam. Est ennemi. Dat het vijand is. De Dieu. Met God, van God. Quand tu dis que mes ennemis soient confondus, je sais que mes vijanden, ne pense pas à Antoinette qui t'a insulté. Ne pense pas à Philomène qui t'a critiqué toute la journée. Pense à ta chair. Voilà. Que ta chair soit confondue. Dat je lichaam verward mag zijn. Tant que ta chair ne sera pas confondue, ta chair sera complice avec les ennemis que tu es en train de croire qu'ils seront confondus. C'est ta chair qui va alimenter tes ennemis pour qu'ils parlent encore contre toi, pour qu'ils te critiquent encore, pour qu'ils ne puissent pas t'aimer et te faire du mal encore. C'est à cause de ta chair. Donc, toi-même, tu es complice de ce qui t'arrive. Maintenant, tu pries le Seigneur dat, que mes ennemis tombent. Mais tant que ta chair ne tombera pas, tes ennemis que tu es en train de prier, là, Dieu leur donne encore la force. God zal je vijanden nog meer kracht geven. C'est ce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Quand Israël abandonnait Dieu, Dieu donnait la force aux ennemis pour pouvoir vaincre Israël. Donc la force d'Israël, c'est de pouvoir mieux se comporter par rapport à Dieu. Was dat ze zich beter konden gedragen tegenover God. Maintenant écoutez. C'est là où nous avions vu Lévitique chapitre 1, on a parlé du taureau, on a parlé, n'est-ce pas, des agneaux, n'est-ce pas, voilà. Maintenant, dans les sacrifices consumés par le feu, on offre le mal. Offert men de man. Un sacrifice consumé. Lisez Lévitique chapitre 1. Vous verrez que si on donne un taureau, on donne un agneau, tout ça, c'est toujours un mal. In Leviticus 1 was het als een stier werd geofferd of een geit.
tijd was het altijd de man. Pourquoi? Waarom? Parce que l'homme est fort. Omdat de man sterk is. N'est-ce pas? Ouais. Et la Bible dit. En de Bijbel zegt. Pour pouvoir piller un homme fort. Om een sterk man. Voilà. Il faut être capable d'abord de pouvoir le maîtriser. Te verslaan moet je hem eerst kunnen. Or, vous allez comprendre que Paul, dans Romains chapitre 8, Paulus in Romeinen 8, il parle de l'homme extérieur. Heeft hij het over de man van buiten? Et de l'homme intérieur. De man van binnen. Et il démontre que l'homme extérieur. En dan laat zien dat de man van extérieur, intérieur, c'est la chair. Dat dat het lichaam is. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il va comprendre que non. Zo gaat hij begrijpen. Dieu a pris la chair, il a vendu au péché. Dat God het lichaam heeft gepakt en dat hij heeft verkocht aan de zonde. Et il comprendra que. En hij zal begrijpen. Il veut faire le bien. Dat hij goede dingen wil doen. Mais le péché le domine. Maar de zon, ja, zonde zal het domineert zijn. Qui est fort? Wie is het sterk? Le péché. C'est le péché. Wow. Dat is de zonde. Maintenant pour libérer. Maar nu om hem te bevrijden. Cet homme intérieur. Om de man van binnen. Qui aime Dieu. Die van God houdt. Pour le libérer. Om hem te bevrijden. Qu'est-ce qu'il faut faire? Wat moet je doen? Faut s'attaquer à celui qui est fort. Dan moet je. Est-ce que vous comprenez? Degene die sterk is aanvallen. Voilà pourquoi l'Holocauste. Vandaar dat brandoffer. Était le problème des sacrifices mâles. Dat het offer was van de mannelijke dieren. Anéantir ce qui domine sur l'homme. Verwoesten wat op je domineert en als de man. Voilà pourquoi. Vandaar. La chair. Dat het lichaam. Qui dominait l'homme intérieur. De man van binnen. Devrait être consumé par le feu. Dat hij wordt geconsumeerd door het vuur. Afin que l'homme intérieur. Zodat de man van binnen. Soit libre. Bevrijd zal zijn. Libre de servir Dieu. Amen. Vrij om God te dienen. Amen. Tu aimes Dieu. Je houdt van God. C'est vrai. Dat is waar. Mais comment peux-tu avoir la capacité de servir Dieu? Hoe kun je de capaciteit hebben om hem te dienen? Le seul moyen, c'est ça. Dat is de enige manier. Prendre ta chair. Je lichaam nemen. Amener ta chair. Die meebrengt. N'est-ce pas? Tu vois, quand tu fais le barbecue. Wanneer je een barbecue doet. Tu es content. Ben je blij? Oui, sois content comme ça. Wees blij. Prends ta chair. Neem je lichaam. Mets ça sur. Le barbecue. Comment ça? Tu mets un peu d'huile. Pour que ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Que tu sois brûlé. C'est comme ça que le vol va disparaître en toi. C'est comme ça que la médisance va disparaître. C'est comme ça que la jalousie va disparaître. Mais si tu entretiens ta chair. Maar als je lichaam onderhoudt. Mais tu aimes Dieu. Maar je houdt van God. Incapable de pouvoir faire ce que tu veux. Parce que la chair va te dominer. Niet in staat om te doen wat je wilt, want het lichaam gaat je domineren. Vous allez comprendre que. Je gaat begrijpen dat. Si vous lisez Nombre, chapitre 28, à partir du verset 1, le Seigneur dira que chaque jour, elke dag, Israël devrait offrir moest Israël deux agneaux, twee schapen offeren. Un agneau le matin, een schaap in de ochtend, un autre agneau le soir, de andere in de avond. Et ces deux agneaux étaient des sacrifices consumés par le feu. En die twee offers werden ook geconsumeerd door het vuur. C'est comme ça que vous allez comprendre la lecture de Lévitique. En zo ga je Leviticus 4 begrijpen. Parce qu'ils disent que. Want ze zeggen dat.
l'offrande consumée par le feu doit rester toute la nuit sur l'autel. Cette offrande consumée par le feu de la nuit sur l'autel. Donc c'était l'agneau qu'on offrait le soir. C'était le schaap die we in de avond offerden. On le met sur l'autel. Men legt het op het altaar. Ja, het vuur. Va brûler toute la nuit. Die gaat de hele nacht branden. Et le matin, en de ochtend. Le sacrificateur va porter ses habits. De priester gaat zijn kleren aandoen. Et prendre la poussière. En de as. La cendre. De as nemen. Et pouvoir rassembler tout cela. Die bijeen rapen. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Daarna, il ôte ses habits. Il porte d'autres habits. Dus gaat hij andere kleren aandoen. Et il prend la cendre. Hij neemt de as. Il va hors le camp. Hij gaat buiten de kamp. Dans un lieu pur. Op een reine plaats. Où on jetait les cendres. Waar men het as gooide. Donc nous avons le camp. Dus we hebben het kamp. Et hors du camp. En buiten het kamp. Nous avons un lieu de cendres. Heb je een plaats voor de assen. Et ce lieu est pur. En deze plaats is heilig. Est-ce que vous comprenez? Or, écoutez. Lorsque l'homme a péché, wanneer de man heeft gezondigd, of zondigd, Dieu va chasser l'homme du jardin. Gaat hij de man uit de tuin jagen? Nous avons le jardin ici. Dus we hebben de tuin daar. C'était le jardin de Dieu. Dat was de tuin van God. Il les chasse, il dit. Hij jaagt die weg en zegt. Là-bas. Daar. Tu mangeras la sueur de ton front. Ga je. Jusqu'à ce que tu retournes cendre. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Poussière. Jusqu'à ce que tu retournes. La sueur. Mais c'est ça, c'est ce que tu fais là, la sueur. Oui, ça va être zweet van je hoofd. Totdat je assen wordt. Voilà. Jusqu'à ce que tu retournes poussière. Totdat je terug tot stof wordt. Bon, si nous voyons Adam. Als we Adam zien. Nous avons des difficultés. Hebben we problemen. N'est-ce pas? Mais dans le jardin de Eden. Maar in de tuin van Eden. Le véritable Adam. Y était. De echte Adam was er. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il sort du jardin. Maar vanaf dat hij uit de tuin is. Pour qu'il soit vu hors du jardin. Om buiten de tuin gezien te worden. Il a porté la cendre. Heeft hij de assen gedragen. Parce qu'il a porté une chair. Hij heeft een lichaam gedragen. Semblable à celle du péché. Die gelijkend is aan diegene die van de zonde. Oh, vous allez comprendre maintenant. Je gaat nu begrijpen dat. Que lorsque le Seigneur sera jugé à Jérusalem. Dat wanneer de Heer wordt geoordeeld in Jeruzalem. La ville du grand roi. De stad van de Heer, van de koning. Et quand il sera condamné. En wanneer hij wordt geoordeeld. On va l'amener hors le camp. Gaat men hem buiten het kamp brengen. Hors du camp. Dus buiten Jeruzalem. Vous savez, on l'a amené où? Waar hebben we hem gebracht? Dans un lieu qu'on appelle. Op een plaats die we noemen. Crâne. Crâne, c'est ta caboche là. L'esquelette de ta tête. Schedel. Ah, tu vois, anatomie. Vous avez vu ça, l'anatomie, non? Oui. Voilà. Tu vois? Voilà pourquoi les études sont importantes. Parce que ça t'aide à comprendre d'autres choses. Dans la vie. N'est-ce pas? Il ne faut pas négliger, tu vas te dire, le crâne, ça te permet de comprendre le Seigneur Jésus. Parce qu'on l'amène dans un lieu qu'on appelle le crâne. Ça va être prêt. Or, pour avoir le crâne de quelqu'un, il faut que la chair puisse réellement être décomposée. Est-ce que vous comprenez? Donc, en allant dans le lieu qu'on appelle le crâne, nous comprenons que c'est le lieu où on était en train de jeter la cendre. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen dat we op die plaats met de assen gooien. Et c'est un lieu pur. Dat is een plaats die puur is. Pur, pourquoi? Parce que là-bas la chair a été détruite.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur devrait être emmené hors du camp. Vandaar dat de Heer bent in het kamp werd gebracht. Afin d'être tué dans un lieu où on appelait crâne. Op een plaats die men de schedel noemde. Quand tu. Bon, là, les gens vont dire. Dans la vie quotidienne, je n'ai jamais vu. Hein, parce que. Mais au moins dans les films, on voit toujours quelqu'un qui vient là-bas, il trouve le crâne de quelqu'un. Comme, oh, un homme était mort ici, n'est-ce pas? In films bijvoorbeeld, als men een schedel ziet, dan weet ze direct dat hij heeft gezorgd. De film aussi instruise, hè? Ja. Films. Comme le théâtre, hè? Non. Il deviendra charnel. Est-ce que vous comprenez? Mais du moins, vous allez comprendre que quand on a le crâne, dat, on comprend que la chair a été détruite. Dan begrijpt men dat het lichaam vernietigd is. Voilà pourquoi en Hébreux chapitre 13. Vandaar dat in Hebreeën. La Bible dit que nous n'avons pas de cité ici-bas. Staat er, we hebben hier geen cité. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que sur la terre tout est souillé. Want op het aarde is alles vuil. Je salue mon ami qui est content parce qu'il n'y a pas la croix ici. Mais il oublie que peut-être les chaises sur lesquelles nous sommes assis là-bas, souillées. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. On est, l'hôtel est à côté là. Vous ne savez pas si des gens sont venus faire l'impudicité ici. Mais on s'assit. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui, il croit seulement que c'est seulement la croix qui suit. Mais tout ce que nous utilisons, suivez. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes dans un monde où tout est suivi. We zijn op een wereld waar alles ja, voor ons vuil is. Voilà pourquoi, comme on n'a pas de cité ici-bas, omdat we hier geen stad hebben, sortons. Voilà. Vertrekken. Or, quand tu sors, wanneer je weggaat, c'est pour aller dans le lieu où on appelle crâne. Dat is dan naar de plaats gaan die we de schedel noemen. Et là, vous allez comprendre que les eaux, en daar ga je begrijpen dat de water subsiste, résiste contre la pourriture. Est-ce que vous comprenez? Les os. Ah, dat de botten. Résiste contre la pourriture. Dat die tegen rotheid werken. Ja. Or, la femme est définie comme l'os de vrouw is de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous comprenons véritablement que quand nous y allons, en dan begrijp je wanneer je naar daar gaat. Le Seigneur détruit ce qui périt. Gaat hij alles wat ja, weg gaat vernietigen. Afin que, n'est-ce pas, ce qui subsiste. Dat alles wat subsiste. Puisse réellement être manifeste. Dat wordt gemanifesteerd. Et là nous comprenons. En daar begrijpen we. Que c'est en dehors du temps. Dat het buiten het kamp is. En dehors de ce monde. Deze voilà pourquoi on dit que nous ne puissions pas réellement être branchés. Parce qu'il ne faut pas être branché dans le monde. Hein? Branché. Être connecté. Dus je moet niet de trends volgen van de wereld. Parce que ce monde ici est dirigé par le diable. Wordt gedomineerd door de duivel. Est-ce que vous comprenez? Il faut être dépassé par le monde. Si moet, ce sont des petits signes. Toi, tu es à l'affût. Ah! C'est ce qui règne. Bon. Mais moi, je te dis, c'est ici où je te dis clairement. Hier zeg ik duidelijk. J'ai même mon thermomètre. Ik zet mijn thermomètre. La partie de la chair. Dit deel van het lichaam. Est encore grand. Donc, celui-ci. 30% de chair brûlée. 70% de chair encore fraîche. Deze hier, 30% van zijn lichaam verbrand en 70% is nog vers. Tout ce qui se passe dans le monde, tu es au courant. Alles wat in de wereld gebeurt, je bent ervan op de hoogte. J'ai quand même le discernement. Je comprends. Ik begrijp. Mon frère. Dat mijn broeder. 30% c'est brûlé. Dat 30% is verbrand. Mais 70%. Maar die 70%. Encore viande fraîche. Dat is nog vers vlees. C'est la viande saignante. Dat is. N'est-ce pas?
ce sont les petits trucs. Je vous l'ai dit. Tant que tu vas, tu penseras moins à la parole. Je vais minder aan het woord denken. Tu penseras moins aux choses spirituelles. Je vais minder aan de spirituele dingen denken. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous nous attendons quand c'est dépassé. Wanneer het allemaal voorbij is. Quand les hommes charnels ont abandonné. C'est là où nous venons. D'accord. Régner avec. Quand on regarde comme ça, ah, celui-ci est dépassé. Oui, je suis dépassé par la séduction du monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes des sacrifices consumés par le feu. Nous sommes offers consumés par le feu. Un le matin. Un in de ochtend. Un le soir. Un in de avond. Mais c'était le même sacrifice qu'on faisait. Maar het was hetzelfde offer dat men deed. Voilà, si Dieu nous donne, nous allons parler parce que si nous lisons dans Nombre, chapitre 28, là le Seigneur donne des détails. On sacrifiait, mais il y avait le vin qu'on était en train de faire la libation. On va expliquer pourquoi on faisait la libation du vin. Vous voyez comment nos ancêtres, quand tu viens là, tu achètes quelque chose de nouveau. Il prend un peu, il dit, ah, nous allons jeter un peu, hein? Voilà. Ou bien il prend une bouteille de bière, il renverse par terre. Hein? Ouais. Ça s'est fait ça en Israël. Ouais. Les coutumes sont, c'est la sorcellerie. Hein? Oui, la coutume des Africains, c'est la sorcellerie, mais pas des Juifs. Hein? Paul dit, si toute tradition était sorcellerie, y compris la tradition des Juifs, n'est-ce pas? Donc, il faisait exactement la même chose. Il versait le vin, n'est-ce pas? Après avoir sacrifié l'animal. On va pouvoir expliquer cela pour que nous puissions comprendre qu'il faut verser le vin après, n'est-ce pas, le sacrifice de l'animal. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.